Donc voilà, c'est les avantages de jeunes là que je mets en avant. Pour que toute personne qui n'a pas encore proposé ce jeune-là, qui n'a pas encore proposé ce jeune-là à son entourage, c'est le moment de le faire parce que nous avons des articles attrayants pour plus intéressants et nous donner la possibilité de plus de proposer cet article-là. Donc je vais juste à passer et tout faire là vers la banque de commandes pour livrer vos actions. Voilà, donc voilà quelques traits de jeunes-là. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou des personnes avec lesquelles vous êtes venus, ça ne gêne pas trop de interrompre pour nous poser ce question-là. Parce qu'on vous l'a dit, on échange entre nous. Il n'y a pas de barrière. On est OK? D'accord. Je vais vous parler de moi du programme GIFOX. Le programme GIFOX est bien développé par Jumia. C'est un programme qui réunit des ambassadeurs Jumia. Je ne dis pas par ambassadeur Jumia. Des gens qui vont porter l'information à la population, à son entourage, que Jumia existe. Que vous pouvez passer des commandes via nous qui sont des ambassadeurs. Ils sont communément appelés GIFOXeurs. En contrepartie, Jumia vous verse une rémunération liée au volume que vous devez consommer. En français, pour faire, moi, j'ai mes parents qui veulent acheter une télé. Dès que j'entends que papa veut acheter une télé, ah papa, Jumia va me payer à bon prix. Ah bon, c'est à combien pas de 43%. Ah, pour l'instant, 43% Jumia, la maxima, c'est à 82 200. Ah bon, contrairement à Dior, c'est 85 000, 87 000. Et souvent même 100 000. Je sais qu'à base de tout ça coûte 100 000. Ah bon, ok, commande ça pour moi. Combien, comment commander? Non, papa, laisse. Je te commande ça, je me donne bien. Quand la paye arrive, tu payes, tu récupères. Vous voyez, donc papa a confiance, il passe la commande après vous. Une fois que l'article est récupéré par papa, Jumia comptabilise votre compte. Et à la fin du mois, Jumia vous verse une rémunération qui est entre 2 et 4%. Selon le type d'article que vous avez commandé. C'est ça qu'on appelle les GIFOXeurs. Nous, nous sommes GIFOXeurs à Abidjan. Et je vous assure, nous vivons de la GIFOX. Aujourd'hui, combien d'Ivoiriens tapent la porte du chômage? Combien d'Ivoiriens cherchent du travail dans les bureaux, s'asseoir ou se déclimatiser, tout ça? L'avantage de la GIFOX, vous travaillez pour vous. Ça, c'est un. Vous êtes votre propre patron. Personne ne verra dire viens au travail à 8h et retourne toi à 18h. Ça, ce n'est pas le principe de la GIFOX. La GIFOX, nous sommes des vendeurs. Nous proposons les articles de Jumia à notre entourage, à nos connaissances, à nos amis, à nos familles. Et on peut trouver d'autres stratégies. Dans le temps que je vous dirai, comment vendre ce Jumia, comment trouver les clients sur Jumia. Mais le principe de base que je voudrais qu'on comprenne, nous qui sommes citoyens. J'aimerais qu'on sache que la GIFOX, c'est un emploi. C'est une sorte d'emploi que Jumia nous permet de pratiquer. Aujourd'hui, un travail que tu es libre, tu ne vas pas à 8h pour venir à 18h. Ça se fait depuis notre téléphone. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire entrer, pour entrer dans la GIFOX? Il faut seulement faire un téléphone portable Android ou une tablette ou un ordinateur, ce qui vous permet d'accéder au site de Jumia. C'est tout. Donc, soit tu as un téléphone, aujourd'hui nous avons tous des téléphones non mobiles. On est tous sur WhatsApp, sur Facebook, sur TikTok, en train de regarder des choses comiques. Pourtant, avec ce téléphone, on peut se faire de l'argent avec un téléphone. Ça, c'est un. De deux, comme j'ai dit, il faut de la connexion internet. Donc, on a déjà la connexion. Pour moi, ça me compte que une personne a un téléphone Android qui n'a pas de connexion. En général, tout le monde fait l'effort d'avoir un minimum de connexion pour la navigation. Donc, voilà les deux choses que je veux apprendre. Avoir un téléphone Android ou un ordinateur ou une tablette et avoir la connexion Internet. Quand je prends le recul, je vois qu'on a tout ça. La plupart d'entre nous ici avons des téléphones Android. Donc, on a déjà le téléphone pour faire la GIFOX. Nous pouvons tous faire la GIFOX. Quand tu as le téléphone, tu as la connexion. Maintenant, il reste la clientèle. C'est là que nous intervenons. Nous sommes devant. Comment avoir des clients pour vendre? Tu vas acheter des articles avec vous et en fin de mois, vous êtes rémunéré par la journée. Je ne sais pas, il y a combien de boulots qui sont si simples que ça.
Mais moi, j'adore la vie. J'adore la vie parce que je suis encore partout. Là, c'est vrai. Personne ne me dit, viens au travail à l'hôpital. Personne ne me dit, est-ce que tu as atteint tel montant? Est-ce que tu as vendu plus et tu as vendu moins? Personne ne me dit ça. Là, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est moi-même qui décide de mon salaire. Donc, si je veux avoir beaucoup d'argent, j'ai qu'à vendre beaucoup. Si je veux avoir appétit, je vends petit. Vous voyez, donc, vous décidez. Quand moi j'ai décidé ça en 2016, quand j'ai commencé la GFOS, waouh, et puis c'est le meilleur pour nous. Nous tous, on est allés à l'université, on a fait des gens de plus. Mais quand j'ai vu ça, c'est le meilleur pour nous. Pourquoi? Parce que ça dépend de moi. C'est moi qui peux pousser loin mes compétences pour avoir beaucoup d'argent. Et nous savons tous qu'il faut bien qu'on ait de l'argent. Donc, plus je vends beaucoup, plus je donne beaucoup. Vous voyez? Donc, c'est un premier volet très important. Croyez-moi, ce n'est pas des barrières. J'ai des financeurs qui vont à 600, 700 000 francs par mois. Ce n'est pas du bien mieux. Il y a des gens qui vont, qui ont les moyens de 1 million par mois. Et bien, ça va combien de fonctionnaires de 1 million par mois en Côte d'Ivoire ici. Quand nous sommes prêts à réduire 2 millions, 3 millions, allez passer compte. Pour avoir 200 000, 300 000 à la fin du mois. Aujourd'hui, nous n'apprenons pas, nous n'entreprenons pas. Les juniors, c'est une ouverture sur notre scénario. La GFOS, c'est une ouverture sur notre scénario. Quand je regarde les clients du fond, eux là, ils vont travailler ma tête. Et puis le soir, ils font le compte. Ils font des affaires. Chez nous ici, malheureusement, dans le système académique français, nous n'avons pas de français, mais dans le système académique, de sorte qu'on va à l'école matin jusqu'au soir, et j'ai tout samedi, et j'ai tout vendredi. On n'a pas d'autres activités. Mais aujourd'hui, la GFOS nous permet d'avoir une deuxième activité en plus de ce que nous faisons. Donc je veux dire que tu peux être un fonctionnaire qui fait la GFOS, tu peux être un employé salarié qui fait la GFOS, tu peux être un étudiant qui fait la GFOS, tu peux être un élève qui fait la GFOS. Mais au moins, trois seulement, là je travaille. C'est aussi important. Et avec ce programme-là, je vous dis, ce n'est pas de la qualité des personnes. Et moi-même, avant que je vive à Abidjan, souvent je peux toucher plus que les personnes. Je peux toucher plus que les fonctionnaires. Il n'y a pas qu'il y a fait deux ans, trois ans déjà. Ce n'est pas un système de formation où il faut envoyer deux personnes pour trois personnes avant de donner. Tu vends beaucoup, tu gagnes. On savait. Il y a d'autres techniques pour encore développer le système. Mais à la base, le principe de base, souvent pour Jumia, souvent les articles de Jumia, tu proposes ces articles-là et tu gagnes de l'argent. Et même, il y a une bonne nouvelle, maintenant même, c'est payé chaque semaine. Donc, c'est déjà bon. C'est-à-dire que c'est payé en quinzaine pour avoir proposé des articles à des connaissances. Vous voyez un peu le deal. On n'a pas dit d'aller prendre une télé chez Jumia pour le courrier pour dire que je vois. Non, on dit, quelqu'un va acheter une télé. Où tu trouves des personnes qui veulent acheter des articles, des téléphones, des ordinateurs. Il suffit de leur dire de passer la commande sur Jumia ou de passer la commande avec toi via Jumia. Tu n'es pas obligé d'aller les trouver pour donner. Tu passes la commande. Si il est ambassade, tu mets ton numéro de l'assemblée. Si il est Abidjan, tu mets une agence à Abidjan, tu peux prendre l'agence à Abidjan. Il va, il le fait de récupérer son article. C'est un agent Jumia qui lui donne son article, qui lui donne sa marchandise. Toi, par derrière ici, Jumia te fait pour ce geste-là seulement. Pour l'avoir mis en contact avec le site pour avoir passé sa commande pour lui. Vous voyez le deal. C'est-à-dire que tu prends ton téléphone. En deux minutes, tu passes une commande de 500 000. C'est un argent qui est à 500 000, la commission de 500 000. Est-ce que c'est un mauvais deal ça? On va s'arrêter pour la première partie. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une compréhension pour la première partie. C'est-à-dire la définition de Jumia. Et la vision de la GFOS que j'ai voulu. C'est il faut qu'il y ait. C'est trop beau, c'est ça? D'accord. Est-ce qu'il y a une question? Pas de question, c'est bon? C'est clair? Alors, donc c'est la définition de la GFOS et c'est un paramètre lié à la GFOS que je viens de faire. Alors, on va passer au deuxième volet qui est les techniques. Pour vendre avec Jumia ou bien